Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel Planète Hoster. Dans cette vidéo, vous apprendrez comment gérer les DNS de votre nom de domaine à partir de l'espace membre. Veuillez s'il vous plaît prendre note que si votre nom de domaine est hébergé sur un hébergement Planète Hoster, vous ne devez absolument pas activer cette option. Si vous désirez gérer les DNS de votre nom de domaine, merci de le faire à partir de votre compte cPanel avec l'option Éditeur de zone avancée. Si votre domaine n'hébergera pas de site web chez Planète Hoster, voici comment vous pouvez gérer la zone DNS de celui-ci. Commencez par vous connecter à votre espace membre sur le site my.planethoster.net. Ensuite, cliquez sur le bouton Domaine. Sélectionnez votre nom de domaine dans la liste et cliquez sur le petit trou d'entrée et ensuite Gestion du domaine. Dans le menu de gauche, cliquez sur l'option Gestion DNS. Vous aurez alors un message qui vous indique de ne pas activer cette zone si votre nom de domaine est hébergé sur les serveurs de Planète Hoster. Si cela n'est pas le cas, vous pouvez appuyer sur le bouton Oui pour créer la zone DNS. Voilà, la zone DNS a été créée. Vous pourrez à partir de ce moment gérer vos DNS de cette zone à partir de votre espace membre en cliquant sur Gestion DNS. Vous pourrez alors ajouter un champ DNS de type A, quadruple A, de type CNAME, MX, NS ou TXT. Une fois cela fait, appuyez sur le bouton Ajouter. Vous pourrez aussi modifier un champ existant en cliquant sur le petit crayon à la droite du champ désiré. Vous pourrez ensuite modifier. Une fois cela fait, pour valider le changement, cliquez sur le petit crochet. Voilà, la zone a été mise à jour. Veuillez noter que la propagation des DNS sur un changement de DNS peut prendre jusqu'à quelques heures, maximum 24 heures. Vous pouvez accélérer le processus en redémarrant votre ordinateur et en vidant les caches DNS et en redémarrant tous vos équipements réseau. Merci.